On va voir comment optimiser le référencement d'un site sur VirtualMart grâce aux composants JSitemap Pro. Pour cela, vous cliquez sur JSitemap Pro en premier, puis vous cliquez sur ce bouton-là, Search Engine Meta Info, petit bouton noir, et il me génère un certain nombre d'informations. Je vais récupérer les informations que j'ai déjà saisies dans mes articles de produits et dans les articles de Joomla. Pour cela, je clique sur Auto-populate. Je clique et quand j'ai cliqué, il me remplit par défaut l'ensemble de ces informations qui sont au départ vierges. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton Export. Et me génère un fichier CSV que j'ouvre avec Excel ou un autre logiciel de traitement texte quelconque, enfin un tableur plutôt. Je fais en sorte de mettre UFT8 pour gérer les accents et je clique sur OK. Ce fichier récupère l'ensemble de mes alias de mes produits à vendre, qu'on voit ici. Les balises titres dans les produits, qu'on voit ici, et la description qui se trouve ici. Je l'imprime éventuellement et ça me permet de voir ce que je peux optimiser dans mon site internet. Ici, par exemple, foulard ou écharpe détail, c'est pas trop sexy, je peux modifier et rajouter des produits, et rajouter des alias. Ainsi que dans les titres que vous voyez ici. Ainsi que là. Une fois que ça c'est fait, ça permet de aller pouvoir modifier l'ensemble de mes produits, de les reprendre un par un, de cliquer dans Description et de remplir ces informations-là, le titre et la description. Ne pas oublier de mettre votre nom qui correspond généralement à la balise auteur et ça va correspondre au nom que vous avez dans Google+. C'est-à-dire ça. Si je vais dans Google+, je vous invite à créer un compte si ce n'est pas fait. Cliquez sur Profil et faites en sorte de mettre ça. Ici. Vous faites tous les produits. Ensuite, une fois que vous avez fait ça dans les produits, vous allez dans Images du produit. Et ici, gérer le texte alternatif, ici, de l'image. Et gérer aussi la description avec des mots-clés. Une fois que c'est enregistré, il faut faire ça avec tous les produits. Le produit, pensez à gérer aussi l'alias, ceinture de type ceinture africaine par exemple, pour l'exemple de ce produit. Ça sera mieux. C'est voilà. C'est et enregistrer et fermer. Une fois que c'est fait, optimisez aussi les catégories. Je clique sur mon pantalon. Là, on pourra lui donner un petit nom. Mais là, dans le titre, dans la page, on lui donne le vrai nom que les gens pourraient chercher dans Google. Et là, on pourrait lui donner un nom. Le titre et la description. Une fois que c'est fait, composant,
J-Sigma Pro, balise, et on refait autopopulate, ça va, ce qui a été saisi va remplacer ce qui a été mis là. Ok. On n'oublie pas, devant chaque récupération, pour se repérer de ce qu'on a fait ou pas, on met index flow et on clique sur save. Index follow, save, et ainsi de suite. Ok. Une fois que tout ça c'est fait sur l'ensemble des produits et des articles, on peut aller dans show sitemap HTML ou sous glace, l'un ou l'autre c'est pareil. On clique sur show image. Voilà, et apparaît le sitemap et ça vous donne le nom des images pour vérifier si elles sont toutes correctes. Dans le cas où il y a ce type d'image, on essaye de faire en sorte de rajouter, on contrôle, on vérifie la balise alt de l'image. Pour vérifier à quoi correspond ça, à quoi correspond l'image, on peut faire ça, copier. Et on peut mettre l'adresse ici. Normalement, on doit voir l'image pour savoir à quoi elle correspond éventuellement. Okay. On peut se servir aussi de celui-là. Non, c'est le même. On peut servir de celui-là aussi. C'est une présentation un peu différente. Voilà, et ça permet de voir le type d'image et à quoi ça correspond. On voit un peu mieux. Et là, le lien marche. Si je clique ici, on a l'image. Ça permet de voir aussi la taille de l'image. Et une fois que vous avez fait ça, et bien en fait, votre site est déjà beaucoup mieux référencé. Dernière option à vérifier, vous cliquez sur VirtualMart, vous cliquez sur le bouton boutique et enfin vérifiez tout en bas de l'écran vente d'articles, une description et l'ensemble de ces informations là. Produit par exemple africain, ça c'est le titre, ici vous aurez l'équivalent de l'alias ici et là la description.